Bonjour, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Aujourd'hui, je vais vous parler de prendre le temps, surtout quand on n'a pas le temps. On vit un peu tous, surtout là en cette fin d'année, des vies à 100 à l'heure. On enchaîne beaucoup de choses, voire on fait plusieurs choses en même temps. On dit que les femmes savent faire plusieurs choses en même temps et que ça serait, apparemment, ça serait mieux. Et puis voilà, ça se multiplie dans tous les sens. Stop. Avec tout ça, on oublie qu'on est des êtres humains et que notre cerveau est fait pour faire une chose à la fois. Quand on fait plusieurs choses, en fait, notre cerveau, il switch de l'une à l'autre, de l'une à l'autre. Il se partage, mais il ne multiplie pas les capacités qu'on a. Si vous êtes dubitatif sur cette question, je vous invite à regarder le TEDx du docteur Huron, qui nous parle de la dyspraxie. Je vous mets le lien juste en dessous sur YouTube, et je vous invite à regarder notamment les deux petits tests qui durent 30 secondes, une minute, qu'elle propose. Je vous mets le timing pour que vous puissiez regarder ça. Pour ma part, je vais vous partager mon expérience, ma prise de conscience, d'abord, que j'ai eue il y a quelques années. J'étais en train de déjeuner. Comme j'étais seule, j'avais mis la télé pour avoir un peu de compagnie. Et puis, j'avais mon PC sur la table, donc je checkais mes mails. Et puis, j'ai des textos qui arrivent, donc je regardais les textos en même temps. Et puis, d'un coup, stop. Je me suis vue là, en train de faire 15 choses en même temps. Alors que c'était ma pause, c'était un moment pour me poser, me reposer. J'ai décidé de faire une chose à la fois. De prendre le temps de déjeuner. Et puis ensuite, de regarder mes mails. Et un autre moment de répondre à mes textos. J'essaye de l'appliquer au maximum dans ma vie. Au niveau du travail, notamment quand je suis sur quelque chose et que j'ai autre chose qui me vient à l'esprit, j'évite de le faire en même temps, de passer de l'un à l'autre. Je le fais après, je le note pour plus tard. Je prends éventuellement quelques secondes pour me mettre une alerte dans mon téléphone pour le positionner à un autre moment. Ce que je fais aussi quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'avais réflexe avant de me dire « Oh là là, j'ai une journée chargée, vite, 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 je perds pas de temps, je fonce et je bosse, je bosse, je bosse. » Aujourd'hui, j'ai le réflexe inverse. Quand je me dis « Oh là là, vite, 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 j'ai beaucoup de choses, stop. » Je m'arrête, je prends une feuille et je note tout ce que j'ai à faire. Je ne fais rien, juste je note, je note, je note, je note. Une fois que tout est noté, je prends encore du temps, cette fois-ci pour regarder ce qu'il y a à faire, pour décider ce qui va être fait aujourd'hui ou peut-être ce qui pourra être reporté, dans quel ordre je vais faire les choses pour que les choses les plus importantes soient faites en premier au cas où je serai prise par le temps. Une fois que j'ai fini de prendre ce temps-là, ensuite je commence seulement à travailler. Et là je suis beaucoup plus efficace, je vais prendre les choses une par une, je vais être concentrée dessus, je vais avoir l'esprit beaucoup plus libre de savoir que tout ce qui est important sera traité et beaucoup plus efficace d'être concentrée sur une tâche à la fois. J'essaye aussi d'appliquer ça, même quand je ne me sens pas surchargée. Et quelque chose que j'essaye de mettre en place le plus possible quand je suis dans mes journées de préparation, que je travaille seule au bureau, c'est de prendre quelques minutes en début de demi-journée pour me poser. Je m'assois dans mon fauteuil. Je ne fais rien, je ne note même pas. Je me pose, je m'installe confortablement, je ferme les yeux, je me concentre sur ma respiration, je laisse mes pensées vagabonder et je prends ce temps-là. Au bout de 5 à 10 minutes, je suis prête pour retourner au boulot. Je suis beaucoup plus posée, beaucoup plus centrée et je vais être beaucoup plus efficace, beaucoup plus concentrée, focussée sur ce que j'ai à faire. Peut-être vous vous dites, bon elle est bien gentille, elle travaille toute seule, elle s'organise comme elle veut, mais nous on n'a pas le choix. Alors si vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix, je vous invite à regarder ma vidéo numéro 5 qui s'appelle « Devenir ou redevenir acteur de sa vie ». Pour finir dans cette vidéo, je vais juste vous partager l'expérience que j'ai eue il y a 2 semaines avec un groupe de formation. J'avais des stagiaires qui se connaissaient, c'était des collègues, et au démarrage de la formation, je voyais bien qu'ils n'étaient pas dedans. Donc je me suis arrêtée, j'ai pris le temps de discuter avec eux sur ce qui se passait, et là ils m'ont partagé qu'ils venaient de recevoir un mail très important, qui impactait toute leur fin d'année, qu'ils avaient beaucoup de choses à gérer, et qu'ils étaient bien embêtés d'être là en même temps en formation. Alors on a réfléchi ensemble et on a trouvé cette solution. On s'est mis d'accord sur les horaires de la formation et on a décidé d'agrandir un peu la pause déjeuner. On a décidé de quitter un petit peu plus tôt le soir et donc de diminuer le temps de formation, mais avec l'engagement que pendant la formation, on posait de côté les PC, les téléphones et qu'on se consacrait sur le sujet de la formation et puis que les autres sujets préoccupants, eh ben, ils pourraient être traités dans le temps de midi et puis en fin d'après-midi. Ça a bien fonctionné, ça a été plus confortable et pour eux et pour moi et ça a permis de prendre en compte chacun. Donc il y a toujours une solution possible. Pour vous, c'est comment ? Quelles sont les situations dans lesquelles finalement vous faites plein de choses et ça vous incite plutôt à la dispersion qu'à l'efficacité ? Et alors donc, dans ces cas-là, quand ça arrive, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous aider à vous recentrer ?
N'hésitez pas à nous partager vos réponses dans les commentaires. N'hésitez pas à m'indiquer les sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt!